Dans l'épisode d'affaires conclu diffusé le jeudi 1er février, Julia Vignali a été surprise par le comportement décontracté d'une candidate envers le commissaire-priseur Harold Essel. La situation a créé un moment gênant pour ce dernier. Depuis 2017, Affaires conclues captive les téléspectateurs avec son concept unique où des particuliers font évaluer et vendre leurs objets à des professionnels du marché de l'art. Julia Vignali, la nouvelle présentatrice depuis septembre 2023, guide les vendeurs tout au long du processus. Lors de l'épisode en question, une candidate, Françoise, retraitée de 78 ans, a attiré l'attention. Venue présenter un tableau avec un cadre en or, Françoise s'est montrée particulièrement à l'aise avec Julia Vignali et Harold Essel, les appelant même « mes petits loups ». L'animatrice, surprise par cette familiarité, a demandé à la candidate de se présenter et celle-ci a expliqué être originaire de Charente-Maritime. Julia Vignali, commentant la région, s'est tournée vers Harold Essel pour savoir s'il la connaissait. La réponse positive de ce dernier a incité Françoise à lâcher un commentaire brusque « mais qu'est-ce qu'il ne connaît pas lui ?» Il connaît tout alors bon. Amusée, Julia Vignali a suggéré à Françoise de tutoyer Harold, ajoutant « c'est votre style de toute façon, non ?» La candidate n'a pas caché son attirance pour le commissaire-priseur de 44 ans, provoquant un certain embarras chez ce dernier. Un moment inattendu qui a pimenté l'émission.